Non. Or, plus, eux, puis. Oui. Qui? Trin-tan. T'sic. Tout. Tant. Par. Et. Bref. Donc, et pas. Tout. Pst. Vas-y. Quand ça a commencé... Enfin, plutôt, quand ça s'est arrêté. Oui, ou quand ça a commencé à s'arrêter. Bon, bref, quand on nous a plus appelés pour travailler. Voilà. Alors au départ, moi, j'ai cru que c'était moi. Je veux dire, j'ai cru que c'était de ma faute. Voilà, j'avais vieilli, mal vieilli. Moi, je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est fini, hein. J'ai dépassé la date de péremption. Oui, c'est ça, j'ai pas su évoluer, j'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai pas ciré les pompes de machin, j'ai pas rappelé machine, j'ai pas cultivé mes réseaux. Quoi, t'es pas sur Facebook, Insta, Twitter? Mais t'as pensé à LinkedIn, non? Oh non, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, mea culpa, mea maxima culpa. Bah oui, c'est ça. T'es une femme, et quand tu es une femme, quand tu subis une discrimination sexiste, tu penses d'abord et avant tout que c'est de ta faute, ouais. Que c'est toi la responsable, toi la coupable. Mais non, en fait, c'est pas de ta faute. T'es pas la seule, hein. Regarde autour de toi. Bah regardez quoi, on est vieille, quoi, c'est tout. Pardon, j'ai 50 ans, je suis pas vieille. Ah bah, faut y faire, hein. Vlan, t'as 50 ans, vlan, t'es dans la merde. C'est le tunnel des 50. Oui, voilà, le tunnel. C'est une métaphore qu'on a trouvée et qui aborde, et là, je cite Brigitte Grézy, nouvelle présidente du HCE, le Haut Conseil à l'égalité, et qui aborde le champ lexical de la visibilité. Le champ lexical de l'impasse, cette longue période de difficulté, l'immense zone noire, le côté obscur de la femme de 50 ans. Merci Brigitte. Concrètement, ça veut dire qu'à partir de 50 ans, les femmes développent un super pouvoir, elles deviennent invisibles, surtout à l'écran. Tu veux dire que les femmes de plus de 50 ans
sont sous-représentés dans les fictions ? Oula, sous-représentés. Hein. Alors, nous, à l'AFA Tunnel de la comédienne de 50 ans, oui, alors, AFA, actrice et acteur de France associée, commission, Tunnel de la comédienne de 50 ans. Là où on retrousse nos manches et on cherche à comprendre. Voilà. Les femmes dans les fictions sont représentées jusqu'à 45 ans en tant que mère ou potentiellement mère. Et après ? Après, plus rien. Ah oh bah si, ou quand presque. Même. Quelques rôles de grand-mère. Mais alors, loin, très loin. Puis alors, beaucoup plus tard. Et très peu. Tiens, j'ai une copine qui a eu 50 ans pile le jour où elle tournait. Eh ben, en pleine séquence, elle était en train de jouer, hein. Eh ben, hop, ils l'ont fait disparaître. Comment ils ont fait ? Ils ont mis un ficus à la place. Invisible. Voilà, nous, on questionne cette invisibilité. On nomme le problème, on brise l'omerta. Et on refuse le « bah, c'est comme ça depuis toujours, hein. Non, on n'y peut rien ». Et alors, on a trouvé un truc incroyable, les chiffres de l'INSEE. Aujourd'hui, en France, une femme majeure sur deux a plus de 50 ans. Une femme majeure sur deux ? Tu peux répéter, là ? Aujourd'hui, en France, une femme majeure sur deux a plus de 50 ans. Quoi ? Attends. Plus de 50 ans a une femme majeure sur deux ? Oui, ou si tu veux, sur deux, une femme majeure plus de 50 ans a. Majeure, une femme sur deux, deux sur majeure femme, femme sur majeure... Voilà, plus de 50 ans, là c'est bon, je crois qu'ils ont compris. Ah non, bon, non, moi je suis pas sûre que tout le monde ait bien compris. Si, je crois que c'est bon, je t'assure, c'est pas une sur quatre, c'est pas une sur trois, c'est une sur deux. Bah oui, mais attends, hein, les chiffres, c'est important. Concrètement, une femme majeure sur deux, ça veut dire 51% de la population féminine majeure. Eh oui. Concrètement, ça veut dire que tu te balades dans la rue, ouais. Tu regardes les femmes autour de toi, et ben bim, une sur deux, elle a plus de 50 ans. Wow. Alors très concrètement aussi, tiens, on va faire un petit test. Est-ce qu'il y a des femmes de plus de 50 ans dans la salle ? Levez la main, s'il vous plaît, mesdames. Merci. Maintenant, s'il vous plaît, levez-vous. Si, levez-vous, s'il vous plaît. Les femmes de plus de 50 ans, voilà, ah. Pas mal. Levez-vous, joli. On a ah bien ouais. Une moitié de salle, ah là. Ouais, hein ouais, ok, ouais. Maintenant, mesdames, sortez. Ah non, 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 non. Non, non, ah non, bah non. Si. Non, 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 attendez, non, non. Sortez pas tout de suite, enfin, il va plus rester personne. Non, non, eh ben, vous voyez, dans les fictions, c'est comme ça. On nous fout dehors. Et pourquoi on ne nous montre pas ? Puisqu'on existe dans la vie, pourquoi pas dans les fictions ? Qu'est-ce qui gêne ? Qu'est-ce qui gratte ? On fait peur. 51% d'invisibles. Et si nous, comédiennes de plus de 50 ans, on n'est pas visibles à l'image, ça veut dire que dans l'imaginaire collectif, les femmes de plus de 50 ans, elles n'existent pas. Allez, boubou, cachez-vous là, les vilaines. Circulez, va des rétros, les quincasses. Elles sont empêchées de participer à la construction de l'imaginaire collectif. Et donc la société ne donne pas de place aux femmes de plus de 50 ans, puisqu'elles n'existent pas dans les représentations. C'est comme se regarder dans un miroir sans reflet, sans voir son reflet. Hein ? Ça fait peur. Qui n'est pas représenté n'existe pas. Invisible. Ok, 51% de la population féminine majeure, ça c'est clair, hein. Mais invisible combien ? Invisible pourquoi ? Comment ? Et jusqu'à quand ? Alors stop, parce que je te connais, tu vas nous faire 3 heures, bon. Faut conclure, là il y a le machin qui tourne, le temps nous a un petit peu pressé. Là. Mais voilà, et toujours cette question du temps qui passe, quoi, voilà, on doit disparaître, et eh bien c'est ça, salut. Ben non, Véronique, reviens, on n'a pas fini là quand même. Bon ben, puisque tout le monde me réclame... Alors, bah, je reviens. Pourquoi s'en priver ? Voilà. Non, mais ça, c'est comme dans les séries. Sauf que dans les séries, eh ben, il n'y a plus de rôle pour moi. Bah non, t'es trop vieille. Hein. Plus enfantable, plus baisable. Hop, poubelle. C'est dur, la vie d'une femme. À la poubelle, les vieilles jeunes. À la poubelle, les vieilles jeunes, les jeunes vieilles. Les ni l'une ni l'autre, les entre deux âges, les entre deux os, les entre deux peaux. Les entre-entre. D'où ça sort, ça, les entre-entre ? Bah, c'est de Kierkegaard. Tu connais Kierkegaard ? Eh ouais, c'est un grand philosophe danois. Et il a écrit un texte en 1848. Le titre du livre s'appelait « La crise et une crise dans la vie d'une actrice ».
et il l'a signé Enter and Enter. Enfin, ce qu'il pourrait donner en français, entre, entre. Bah, entre, entre, c'est très moche. Entre, entre, on dirait que tu éructes là, là. Enter and Enter, je peux comprendre quand même. Mais entre, entre, non. Bah oui, là. Bah, ça, c'est comme autrice, hein, n'est-ce pas, Aurore ? Aurore. Bon, allez, on enchaîne, Catherine. Je voulais juste parler des Vas-y, accouche, Véronique. Bah non, là, je peux plus. Ah. C'est pas un crash. Oui, bon, et ben non, je voulais parler des sous-sous représentés dans les fictions. Voilà, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Donc nous, à l'AFA Tunnel de la comédienne de 50 ans, on retrousse nos manches et on se pose la question. 51% de femmes majeures en France, ok, et dans les fictions, elles sont combien ? Vous n'en avez aucune idée, n'est-ce pas ? Nous si, on a compté. C'est important, les chiffres. Pour compter, il faut se compter. Alors, on a compté les actrices de plus de 50 ans dans tous les films français sortis en 2015. Vous avez une idée du résultat ? Sur tous les films français sortis en 2015, le pourcentage des actrices de plus de 50 ans, c'est... Ta-ta-ta-ta ! 8%. Ah ouais. Ouais. Ouf. Et en 2016 ? Ah bah, en 2016, on a compté aussi. En 2016, c'est encore pire. 6%. Oh. Quand dans la société française, hommes-femmes confondus, hein, une personne majeure sur 4 est une femme de plus de 50 ans, au cinéma en 2016, c'est un rôle sur 16. Elles sont 4 fois moins présentes au cinéma qu'elles ne le sont dans la réalité de notre société. Alors que les fictions sont tout de même censées raconter l'humanité. Oui, et l'humanité, à moins que je me trompe, c'est pas uniquement deux jolies jeunes femmes pendues aux bras d'hommes de tous âges. Voilà. Donc un quart de la population majeure en France et 6% de représentation dans les fictions cinéma 2016. Ah bah oui, mais attends. Ah bah attends, non, il y en a quand même. Enfin, il y en a. Il y a quelques actrices de plus de 50 ans. Tiens, il y a Karine Viard, Juliette Binoche. Et Isabelle Huppert. Hein. Oui, non, mais elles sont comptées dans les 6%. Oh merde. C'est même une très grande part des 6%. Ah ouais. C'est l'arbre qui cache la forêt, puis ça arrange tout le monde. Hein. On nous dit, ah bah oui, bah, y a quand même Karine Viard, y a Isabelle Huppert, y a Catherine Deneuve. Bah oui, là où on ne voit pas le problème, on ne cherche pas de solution. Bon, hey, on se lance dans la liste des acteurs de plus de 50 ans. Ok, mais rapide alors. Oui. Alors, il y a Bourdon, Lucchini, Thierry Lhermitte, Cassel, Darroussin, Lanvin, Lindon, Auteuil, Junot, Grélo, Dussolier, Arditi, Berléand, Chenet, Balmer, Bedos, Lhermitte, Marchand, Marchal, Renucci, Podalides, Gérard Jugnot, Cassel, Drouot. Ok, stop, on a dit rapide, là. Oh non, ah si, oui, 12, mais, 12. Oui, mais attends, parce que je n'en ai encore plein, moi j'en connais tellement. Enfin bon. Simone Signoret a dit, voilà. Alors, avec l'âge, les hommes mûrissent et les femmes vieillissent. Alors concrètement, ça veut dire que les gros plans de femmes vieilles, c'est moche, alors que les gros plans des femmes mûres, c'est... Des femmes mûres Des hommes mûres, pardon. Ah oui. Ça, c'est... C'est pardon. Beau. Et voilà. Et alors, une femme qui fait son âge, on dit qu'elle est... Marquée. Qu'elle a pris un coup de vieux, qu'elle était belle quand elle était jeune, qu'elle pourrait faire un truc quand même. Bah justement, si elle se fait lifter, on dit que... Ça se voit. Ça prend pas la lumière. Et puis, si elle a fait ça, ben, c'est qu'elle a au moins... Au moins, et plus même, hein, je dirais. Alors que pour un homme, ben, on dit toujours... Waouh, il a de la gueule. Même s'il perd ses cheveux, même s'il a du bide, des gros poils dans le nez, on dit... Waouh, il a de la gueule. Et ouais, pourtant, moi, à 50 ans, je peux vivre encore 35-40 ans. Alors quoi ? Faudrait que je me cache jusqu'à la fin de ma vie ? Voilà. Concrètement, femme, tu as deux solutions. Soit être jeune, soit rester jeune. C'est absurde. Et c'est violent. Ah, c'est quoi le problème ? C'est la ménope ? C'est parce que je ne tâche plus ma culotte. Ah bah non, Véro, on avait dit que tu disais pas ça. Non, enfin, écoute, je suis désolée, il faut être concrète. Hein. Enfin, je suis désolée, mais moi, depuis que je ne tâche plus ma culotte, je n'apparais plus sur l'écran. Deux fois, donc. Bah oui, excuse-moi, mais enfin, tu sais, une chatte, c'est une chatte. Quand même. Enfin, bref. C'est peut-être une formule un peu radicale, mais c'est bien le sujet, non ? Les personnages féminins ne vieillissent pas. Ils disparaissent des écrans. Ça vous dérange ?
Nous aussi. C'est en retirant des représentations les images des femmes fortes que le système patriarcal perdure. Parce que c'est quand même pas un hasard si on nous rend invisibles après 50 ans. Bah oui, c'est au moment de notre puissance. Et comme le dit si bien Audrey Alouette, pour faire disparaître les femmes puissantes, il faut effacer leur visage. Par rebond, une fois les modèles disparus, la relève se gardera bien d'apparaître. Nous sommes ménopausées, mais bien vivantes. Nous subissons ce que Françoise Héritier appelle la valence différentielle des sexes. Ce que Suzanne Sontag appelle le double standard, sexisme et agisme. Bon, alors pour rigoler un peu, est-ce qu'on pourrait parler des castings? Est-ce qu'on a le temps de parler des castings? Oui, on attend, on va le prendre. Alors, les castings, je vais vous raconter un des derniers castings qu'on a vu passer. Alors, l'annonce était rédigée comme ça, je cite. « Dans le cadre du tournage de deux spots TV, nous sommes à la recherche d'une femme entre 50 et 70 ans pour jouer le rôle d'une mamie bénéficiaire d'un service d'auxiliaire de vie. Le spot met en scène une mamie et son auxiliaire de vie, véritable héroïne de son quotidien. Alors, comment vous dire chers amis publicitaires, merci de regarder ma gueule. J'ai 54 ans. Je, dans la vie, me déplace encore à pied. Pied dont je me sers aussi pour monter les escaliers, sans avoir besoin de recourir à un monte-escalier. Je ne porte pas d'appareil auditif et encore moins de couche confiance. Et si je prends ma douche avec l'aide de quelqu'un, c'est que la séquence est classée X. Merci, merci. Chers amis publicitaires, d'arrêter de véhiculer des clichés d'un autre âge qui alimentent un inconscient collectif en décalage total avec la réalité de notre société. Non, 50 ans chez une femme n'est pas un étonnant portail spatio-temporel qui te ferait passer dans l'instant directement à une version Maminova de toi-même. Bon, alors maintenant, je vais vous raconter le dernier casting de Marina Tomé. Alors, voilà, vous avez dans les programmes, en fait, il n'y a pas moi, c'est marqué Marina Tomé. Marina Tomé, c'est la fondatrice de la commission de tunnel de la comédienne de 50 ans. Et alors, donc exceptionnellement, elle tourne. Bah ouais, ça arrive quand même parfois. Hein. Bon. Mais juste aujourd'hui, c'est pas de bol. Et alors, enfin bon, c'est tant mieux pour moi parce que du coup, je suis. Vas-y, enchaîne. Eh ben, enchaîne. Oui, j'enchaîne. Alors. Donc, pour un téléfilm, elle lit un scénario et voilà, son personnage était annoncé comme ça. Une cinquantenaire sans sexe et sans âge. Comment vous dire? Alors, elle a beaucoup travaillé. Elle a fait de son mieux. Et malheureusement, elle a été prise. Sans sexe et sans âge. Marina, 50 ans, c'est le jour où t'as plus l'âge de l'âge que t'as. Ou pas encore. Chaque ride de mon visage raconte une histoire. Je ne veux pas d'un visage et d'un corps parfait, je veux porter la vie que j'ai vécue. Ne touchez pas à mes rides, j'ai mis tant d'années à les obtenir. Anna Magnani. Le contraire de jeune et jolie n'est pas vieille et moche. Ça peut être épanouie et belle. Mature et conquérante, éclatante et expérimentée. Ça, c'est François Morel. Ouais. Et Carrie Fisher, pour conclure, a dit « Les hommes ne vieillissent pas mieux que les femmes. Ils ont seulement l'autorisation de vieillir. » Les fictions transportent des normes, des valeurs, fournissent des modèles. Alors, qu'est-ce que c'est une société qui se raconte en évinçant de ses histoires les femmes de plus de 50 ans? Qu'est-ce qu'on raconte à nos enfants? Et quel modèle on leur propose? Qu'est-ce qu'on se renvoie nous-mêmes comme miroir? Ce combat est important. Et pas seulement pour nous, les actrices, mais surtout et avant tout pour toutes les femmes de plus de 50 ans que nous représentons. Parce qu'on est dans une société de l'image où qui n'est pas représenté n'existe pas.
Alors si on veut qu'elles prennent leur place, qu'elles existent dans la société, il faut qu'elles existent dans les représentations, il faut qu'elles existent dans les fictions. C'est pourquoi nous avons lancé, nous, le manifeste AAFA Tunnel des 50. Aujourd'hui, on a plus de 12 000 signatures. Tout le monde a signé, des professionnels, des artistes, des scénaristes, des réalisatrices, des réalisateurs, des productrices, des producteurs, des agents, des castings, mais aussi des spectatrices et des spectateurs. Et ça continue, et il faut que ça continue. On a encore besoin de vos signatures. Signez notre manifeste, vous tous. Le manifeste, vous le trouverez sur la plateforme change.org. Vous tapez Tunnel des 50, vous allez le trouver tout de suite. Et prochainement, nous le remettrons au ministre de la Culture et à la secrétaire d'État à l'égalité hommes-femmes. Et dehors, il y a... Oui, dehors, il y a des flyers qui vous attendent, pour ceux que ça intéresse, sur le tunnel et sur le manifeste. Qui n'est pas représenté n'existe pas. Rendre visibles les femmes de plus de 50 ans dans les fictions est un enjeu de société. Si nous disparaissons, vous disparaissez. Merci.